Bonjour à tous, nouvelle journée, nouvelle séance ici à Wall Street et donc eh bien, il est l'heure de faire le point sur les valeurs qu'il fallait suivre ici au Stock Exchange à New York, à commencer par Dupont, le numéro 1 américain de la chimie qui a annoncé hier lundi le futur départ à la retraite de sa directrice générale Helen Cullman. Il aura lieu le 16 octobre prochain. Une nouvelle qui éclipsait la révision à la baisse pour la deuxième fois de l'année des prévisions de bénéfices annuels du groupe. Alphabet, ensuite la maison mère de Google, Alphabet, qui est en pourparler avec Symphony Communication Services, une start-up qui a mis au point un service de messagerie pour investisseurs. Alphabet souhaiterait investir justement dans la société, selon une information dévoilée par Reuters. Un mot également de Facebook, puisque son fondateur et dirigeant Mark Zuckerberg a annoncé hier lundi le lancement d'un satellite en partenariat avec le groupe français Eutelsat, et ce, eh bien, dans le but de développer Internet en Afrique subsaharienne, l'Afrique subsaharienne, où, eh bien, sans surprise, de vastes territoires sont encore privés d'accès au web. Et puis enfin, on suivra également ce mardi, tout particulièrement, un autre réseau social, à savoir Twitter, qui a donc nommé un nouveau CEO, son cofondateur, Jack Dorsey.